Salut à tous, chers viewers, nous revoici sur Tomb Raider. Le dernier sorti, nous étions arrêtés ici. Nous avions récupéré une arme. Sans munitions, mais on a récupéré une arme. Plus de munitions. Ah oui, plus de munitions, oui. J'en ai une! Elle est descendue par là-bas! Elle est morte? Je sais pas! Laisse tomber! On sait que t'es là! T'as nulle part où aller! Elle a un flash! Excusez-moi. Bon, où est-ce que nous allons? Ça donne quoi? Mais ici. Hey, tu es là! Tu vas mourir là-dedans! Ok, bah maintenant ils mettent le feu où je suis, et bah c'est malin. Allez! Sors de là! Hey. Hop, d'autres munitions. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Elle doit être morte. Continue de chercher. Fouille les autres cabanes. Hop. Hey, t'en as trouvé d'autres en bas? Une munition. Ah, trop fort. Ah oui, là, c'est une option sur... Évidemment. Oula. Mais ça m'empêche que je vais quand même récupérer des munitions parce que j'en ai vraiment besoin. Oh non, ouf. Alors voyons ça. Portefeuille. Très bien. Ah, toujours les mêmes merdes. C'est quoi cette fois un peu produit? Non, un bateau de recherche scientifique. C'est plutôt une bonne prise alors. T'as pas entendu? Mais... Meurs lui! Meurs! Qu'est-ce qui se passe en bas? Tu vas bien? Bon, montons maintenant. Lara, tu es là? Oui. Oui, je suis là. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, Ross. Tout va bien. Ça va mal ici. Je ne suis pas mort. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Ok, je suis plein. S'il y a une solution à droite, ça veut dire qu'il faut continuer. Bingo. Oh, ça se casse facilement, ça. Peut-être pas en fait. Bon, c'est pas grave. L'avantage avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est...
C'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non. N'y pense pas, Lara. Ça ne sert à rien. Qu'allons-nous améliorer ? Je ne sais pas ce qu'il y a le reste de l'équipage. C'est pas l'arc déjà, que je joue pas assez. Oh mon dieu, faites qu'il n'y ait rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross. Ça non plus. Bon, bah, on n'améliorera rien. Tant pis. Bien dommage, par contre. Y'a rien par là. Là, il y a là. Il y a quelque chose ici. Et un petit livre. 25 juillet 1982. Plusieurs jours ont passé depuis le crash de l'avion. Pour la deuxième fois, nous avons essayé de partir par bateau, mais ce fut un désastre. Je savais que nous n'y parviendrions pas. Comme la première fois, une tempête s'est levée de manière inexplicable. Les vents se sont déchaînés, suivis d'une vague incroyable. Notre canot de sauvetage a été projeté contre les falaises tel un vulgaire jouet. Nous comptons 2 morts et 1 blessé, sans espoir de guérison. Les autres commencent à paniquer, et ils attendent que je trouve un plan. J'en ai un, mais il ne les concerne pas. Ils sont faibles et stupides. C'est un handicap sur cette île. Je leur ai suggéré de tenter une nouvelle fois de prendre le large, mais je n'irai pas avec eux. Ce serait du suicide. Cela ne fait plus aucun doute. Oh l'enfoiré. Sympa le mec. Tu pèses un petit peu ça. Là il y a un truc pour monter. Où est-ce que ça met? Ah, là il y a quelque chose. Des chiffres. Des chiffres. Peut-être des coordonnées. Quelqu'un qui voulait qu'on les trouve. Ah ok, c'était juste pour venir ici en fait. Très bien. Donc on va continuer. Tranquillement. Oh, Shadow. Oh non. Hey, on a un survivant ici. Pourquoi vous faites ça? Meurs. Meurs toi aussi. Il meurt. Le mec qui résiste aux balles. Bloquez-vous, elle est armée. Non. C'est bon, vous êtes mort là. Des munitions, des matériaux. Ok, je peux pas aller là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a, rien du tout. Bon, bah continuons. Continuons notre ascension vers le haut de la montagne. Morte ou vivante, tu es là. Elle pose trop de problèmes. Ça fait quoi? Silence, silence. Vous deux, allez de ce côté. Ok. Ok.
jusqu'aux grottes sous-marines. Vérification d'armes disponibles, mais on est en con. Désolé, je parle pas trop, j'essaie de me concentrer pour éviter de me faire repérer. Oui, si je prends un autre shot. Allez, hop. La voilà. Ah. Aïe. Bon, très bien. Donc, je reste là-bas. Faut que je les dégomme. Mais discrètement. Vous deux, voilà. Allez de ce côté. Ok. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Ah, je suis bloqué. Oh. Hey, attention. Elle descend jusqu'où, à ton avis? Jusqu'aux grottes sous-marines. Elle est peut-être tombée? Non. Je crois pas. Bon. Meurs toi aussi. Doucement. La voilà. En bas. Attrapez-la. Tu vas tout faire cramer. Ouais. Grave. Là, c'est malin. Tout brûle maintenant. What's up? Sauter. Oh, 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 oui, ça brûle vraiment. Petit quelque chose par là. Là, je peux descendre. Non. Ici, oui, ici, ici, il y a quelque chose. Mais... ça. Au pire, ça tout brûle, mais ça viendra pas jusqu'ici. Un peu plus le temps. Si on a des modifications d'armes, il nous faut pas mal de matériaux. Ah, il faut que je fasse le tour. Je fais quelque chose. Sur le côté. Un éventail en soie. Il a pu appartenir à un villageois, comme à un noble. C'est tout? Très bien. Continuons, continuons. Aïe. Oui, mais il m'a l'air d'avoir quelque chose. C'est un Gunbai, utilisé par les samouraïs pour relayer les ordres aux soldats sur les champs de bataille. Il est très solide, sûrement du bois de cyprès. Bois de cyprès, oui. Très bien. Merci. Waouh. Il y a quelque chose là-bas, mais...
pas y aller tout de suite. Hop là. Non. Je suis plein. Bon, bah, continuons. Tranquillement, mais sûrement. Quand nous nous sommes échoués sur l'île, la pluie et le vent nous ont cloués sur place pendant 10 jours. Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger, comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le père Mathias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître. Nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser. Ok, en fait de la tête, lui. Continuons. Je peux y arriver. Ça, le truc tourne toujours mal. Parce qu'à la fin, ça s'écarte. Donc, c'est des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me les poser sur mon Facebook, par MP, ou tout simplement dans la description de la vidéo. Qui est-il ? Fais la jambe. Dieu merci, tu es vivant. Oui. Mais c'est pas Dieu qui m'a sauvé. Je suis content de te voir, maman. J'ai l'impression qu'ils sont acharnés sur ta jambe. Non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles des autres ? Aucune. Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Ils ont pris mon sac de provisions. L'émetteur du canot était à l'intérieur. Si on le récupère pas, on pourra jamais quitter cette île. Mais il te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac. Ah oui, bien sûr. Des antiseptiques sur une île où il y a personne. Approche. Approche. Le sac est là-haut, quelque part. Bon, eh ben, nous allons nous laisser là. Donc là, on se met au camp, voilà. On va utiliser le point de compétence. Fouille. Okay.
Non mais c'est pas des munitions qu'il me faut, c'est des matériaux. Il faut quelque chose pour les matériaux. Fouille les caisses et les cages pour trouver des matériaux supplémentaires. Voilà. Même si je le fais déjà, à mon avis, c'est que ça doit l'améliorer. Et ça... Très bien, je voulais pas l'acheter, mais bon, tant pis. J'aurais pu le tenter. Bon, et ben nous allons nous laisser sur cette amélioration d'arc. Un petit j'aime, si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez suivre mes vidéos. Tomb Raider pour l'instant. Voilà. Ciao ciao.